Devant la presse ce 8 décembre 2023, le directeur général des études et des statistiques sectorielles du ministère en charge de l'environnement, le directeur général de la préservation de l'environnement et la directrice générale de l'assainissement des eaux usées Escrita. Objectif, échanger avec les hommes de médias sur la tenue ce samedi 9 décembre 2023 de l'opération de lutte contre les gîtes larvaires. Cette opération fait suite à l'adoption par le gouvernement burkinabé de la stratégie de lutte antivectorielle dans le cadre de la prévention et des réponses à la dengue. Il s'agira en effet d'organiser des opérations de salubrité à l'intérieur du pays pour l'élimination des gîtes larvaires. En l'absence de vaccins, le contrôle des vecteurs demeure l'une des mesures les plus efficaces pour contrer la dengue. Des études récentes ont révélé que les principaux biotopes de AEDS sont les eaux résiduaires, les récipients domestiques ou abandonnés, comme les seaux, les pneus usés, les fûts domestiques ou abandonnés et les pots d'hiver. De ce fait, et face à la flambée des cas de dengue, il convient de conduire des opérations de salubrité d'envergure afin de contribuer à la destruction des gîtes larvaires de l'agent vectoriel. Pour le directeur général de la préservation de l'environnement, l'esprit de cette opération est d'inviter l'ensemble de la population d'abord à un changement de comportement, notamment dans la gestion des déchets, et aussi à s'impliquer activement dans les opérations de salubrité qui seront menées dans chaque zone afin de réussir le pari de la lutte contre l'épidémie de la dengue. Sans une réelle implication de l'ensemble des couches social, on ne peut pas gagner ce pari. Donc, l'esprit du plan d'action qui est développé ici, c'est véritablement de susciter un éveil de conscience pour que l'ensemble de la population puisse s'impliquer. Donc, à cet effet, pour le cas spécifique de Ouagadougou, je pense que nous avons invité les PDS d'arrondissement à pouvoir identifier les zones à risque pour qu'ensemble nous puissions voir comment on poursuit les opérations de sorte à assainir ces zones à risque et pouvoir faire reculer significativement le nombre de cas. Le changement de comportement concerne aussi bien la gestion des déchets solides que les eaux usées, dira la directrice générale de l'assainissement des eaux usées, Escrita. Les actions d'assainissement, on demande vraiment que le ménage même fasse l'effort de réaliser les ouvrages dans sa concession. Voilà. Vous allez, comme vous, l'exemple que vous avez donné, vous allez voir des familles où, bon, tout le dispositif est là, mais il n'y a pas de puisard et les eaux sont rejetées dans les rues, ce qui est interdit. Vraiment, il y a des ménages, vous allez voir même des bâtiments bien construits, mais on ne comprend pas pourquoi les eaux sont encore rejetées dans la nature. Alors, le message qui est donné ici, c'est inciter vraiment les ménages à travailler, à réaliser des puisards au niveau de leur domicile. Le cumul des cas de dengue de l'année 2023 donne 141 789 cas suspects, 65 480 cas probables et 695 décès enregistrés depuis le début de l'année. D'où l'urgence d'agir pour l'élimination des moustiques responsables de la dengue, selon le directeur général des études et des statistiques sectorielles.